Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes avec Myriam, future adhérente sourcière de la COP et ambassadrice de la COP. Donc elle habite à Chamblan, donc elle sera ambassadrice à Chamblan, à Sœur, etc. Donc voilà, donc je vais laisser Myriam se présenter et après on vous parlera d'un petit événement qui se déroulera au mois de septembre à Chamblan. Allez Myriam, c'est à toi, je te laisse te présenter et nous dire pourquoi tu adhères à ce projet. Bonjour à tous, et ben oui, j'adhère au projet parce que ben, j'ai envie de revenir aux sources. Et on arrive chez nous à se nourrir donc avec des producteurs bio, mais on est obligé de faire des kilomètres malheureusement pour trouver ces producteurs. Et avec la COP des sources, je pense que ce sera l'idéal et de pouvoir avoir voilà, sur un même lieu tous les produits que nous consommons déjà depuis plusieurs années. Des Super. Produits de qualité. Bien sûr, avec nos producteurs du coin en bio, donc bien sûr qu'ils seront de qualité, ça c'est certain. Voilà, et ce que j'aimerais, bah, c'est faire passer le message voilà, à tous les gens que je connais, aux gens du village, voilà, pour qu'on arrive à se nourrir avec des aliments vraiment au top. C'est ça, alors vous me direz, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais Chamblan, Sœur, Beaune, bah, ça fait des kilomètres quand même pour aller faire ses courses. Mais je suis d'accord avec vous, donc nous ce qu'on aimerait plus tard, c'est que justement la COP des sources fasse des petits, qu'il y ait peut-être une petite COP des sources à Sœur, une petite COP des sources à Chagny, une petite COP des sources à Nolay, et que du coup, voilà, chaque personne puisse aller faire ses courses où il habite avec des producteurs locaux du coin. Voilà, tout à fait. Ah. Alors, la suite, donc le petit événement donc, proposé à Chamblan au mois de septembre. Alors, je vous montre le fly. Voilà, donc c'est le... Le dimanche 15 septembre, donc c'est le troisième dimanche. Vas-y. C'est la 19e édition cette année. Et dans le cadre de cette manifestation qui est organisée par la municipalité, nous avons cette année dédié un espace à la nature. Alors, vous pourrez retrouver la Ligue de la protection des oiseaux et différents producteurs qui vont adhérer prochainement à la COP des sources. Tout à fait, on va rencontrer, on en a déjà rencontré quelques-uns et on va aller rencontrer d'autres. Voilà, donc vous pourrez trouver les produits, enfin, du moins certains produits, sur l'exposition artisanale de Chamblan. Voilà, au milieu d'animations diverses et dans cet espace dédié à la nature, donc vous aurez un stand justement avec découvrir la nature, la forêt, voilà. Exactement, et on a aussi des ateliers culinaires qui sont proposés par les Secrets de Lolo. Les Secrets de Lolo, voilà, un atelier culinaire où vous pourrez apprendre à cuisiner vos restes. Ça, c'est très important. Et bah, elle vous délivrera tous ses secrets le 15 septembre. Donc, il faut venir voir Lolo sur son atelier. Et ben voilà, donc ça se passe le 15 septembre 2019 de 10h à 19h. Et c'est à Chamblan. À Chamblan. Alors voilà, donc on remercie Myriam d'être une nouvelle ambassadrice de la COP des sources. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.